C'est une phase, une toute dernière phase de la série du rentoilage. Là, pour l'instant, on voit un papier calque de coller et avec des bandes de tirant tout autour. Maintenant, je vais commencer par décoller. Pour décoller le calque, je vais commencer par détremper. Voilà, tu prends là. Par détremper les bandes qui, eux, ont permis de maintenir le calque sous tension, ce qui est très important. Alors, je les détrempe en premier, car je les ai collés avec des colles très, très solides et très épaisses pour maintenir le tableau très réactif, car ce sont des tableaux japonais du début du siècle, transparents comme de la soie, et qu'il a fallu que je rentoile, pas parce qu'il y avait des trous, mais pour supprimer toutes les craquelures. Donc, rentoilage très difficile, dont d'ailleurs j'en ai eu toute une série. Ceux-là reviennent d'Angleterre, puisqu'en Angleterre ils sont partis pour être rentoilés, et là-bas ils n'ont pas trouvé de spécialiste assez compétent pour le faire. C'est un travail assez exceptionnel, puisque moi-même je ne savais pas le faire dès le début, et ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais fait des essais. Dans les tout premiers, j'avais pris trois pages de notes. Alors pour l'instant, j'attends doucement que ça se détrempe, hein, car dans ce travail-là, il faut chaque chose en son temps. Et je détrempe comme les bords ont été retirés, donc j'ai unifié le décartonnage. Je détrempe complètement le calque qui est collé à la surface du tableau. Tout doit se faire en douceur et jamais tirer sur un papier qui n'est pas détrempé, car on peut toujours risquer d'arracher de la peinture si par hasard elle était mal refixée, ce qui en principe n'arrive pas. Mais on doit savoir, on doit toujours. D'ailleurs, quand tu le retires de la planche, c'est, ah oui, il se remet comme ça. Non, on est jeudi aujourd'hui. Jeudi, ouais. 12. Alors ça, au moment que je le colle, que je le tende, il faut me le rappeler, parce que moi j'oublie, c'est marqué se coller samedi, pas avant, samedi ou dimanche. Au moins une semaine de séchage, je ne chauffe pas beaucoup ici alors. Non, ça serait un coup franc d'art. Tu rapportes à moi, ils sont transformés, c'est plus des Chinois. Et vous voyez, je tire à l'oblique, parce qu'il ne faut jamais tirer comme ça, on ne sait jamais si la peinture ne tenait pas, pour ne pas l'arracher, vous voyez, toujours à l'oblique comme ça. Et le tableau vient petit à petit. Des papiers qui restent mal décollés sur les bords. Et voilà un petit Chinois qui ressuscite. Il revient de loin. Il était tout craquelé. Et maintenant, il est lisse comme une glace. On me l'avait donné pour ça. Mais tu l'avais pris avant les craquelures ou pas? Non. Alors, tu vois, c'est un morceau de toile que j'ai pris sur les bords, tu vois, qui manquait ici. Tu vois, ça s'appelle une incrustation. Tu vois. Incrustation. Ça, c'est moi qui ai mis ça au point. Comme dit Gilly, j'ai vraiment le droit de l'incrustation. Restauration à faire. Et ça va s'effacer comment alors? Quoi? Ah, mais ça reste. Eh. C'est les anciens. C'est comme des cheveux, mais c'est les craquelures qui se sont resserrées. Mais elles restent comme ça. Tu peux pas, au contraire, c'est un signe d'authenticité. Sur un tableau, sur un tableau 18e ou 17e, tu vois pas une craquelure, c'est que c'est un faux. Eh. Ça te botte comme boulot? Ça, c'est les... Alors maintenant, je vais le laver pour retirer le trop plein de colle.
pour ne pas... Parce que la colle en séchant, mettre la colle de peau très liquide dans une assiette, elle va sécher. Au bout d'un certain temps, elle va se recroqueviller et arracher. Donc, il ne doit pas rester un film de colle sur un tableau. Sans ça, à ce moment-là, tu risques que la peinture en subisse les contre-coups par arrachage, surtout si la colle vient avec ses déchirures. Ah. Ça, c'est le morceau de toile que j'ai incrusté dans un manque toile d'époque, puisque je l'ai pris sur les bords et nettoyé. Donc, voilà un tableau qui est prêt, dans une autre phase, à être retendu sur son châssis. Un châssis neuf, car les anciens étaient morts. Alors maintenant, on va passer à celui-là. C'est pas tout à fait détrempé partout. Ça t'intéresse, Biga? Oui, c'est la première fois que je vois l'enlèvement. Et ça a l'air tout simple, tu vois, parce que j'ai l'habitude.